contrôlent les requins. T'avais déjà vu ça, toi? J'ai vu une chose qui y ressemble. Quand j'étais gamin. Mais c'était différent. Ah oui, pourquoi? C'est dur à expliquer. Comme je te l'ai dit, j'étais gamin. Il avait un pouvoir similaire. Mais il respectait les requins, il n'en faisait pas une armée. Mais je croyais que c'était une légende pour que les enfants ne se sentent pas en danger dans l'eau. Pas du tout. Qui sait alors? Il n'est plus. Mais il a un successeur. Tu parles comme nos oracles. Tu te racontes trop d'histoires. On devrait aller tuer Scream. Chaque chose en son temps. Avant ça, je dois sauver Willow. Il faut qu'on libère notre peuple. Pourquoi on remonte? Parce que je veux m'approcher de la poupe de ce bateau. Prends les commandes. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Chercher Willow. Reste ici. Et au moindre problème, tu redescends. Timor, c'est de la folie d'y aller seul. Je reviens. Go, 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 go!
faut qu'on remonte, non? Pas tout de suite. Ils viendront pas nous chercher aussi bas. On peut encore descendre. Je crois qu'on devrait quand même remonter. Korotoa vous paiera désormais le double de l'impôt habituel. Je me suis assuré d'être suffisamment persuasif pour les en convaincre. Stop, stop! Là, au fait, j'ai appris que le bateau qui doit nous apporter les composants pour la turbine devrait être amarré à nos roues d'un jour à l'autre. Et quand il sera enfin là, on sera en mesure d'utiliser l'énergie cinétique de l'océan, au lieu de se ruiner à nourrir des esclaves humains. Plus vite on aura cette turbine, plus vite on limitera les pertes. Il faudra quand même les garder, pour nourrir les requins. Allez au travail! Garde les mains sur ce rondin. Quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. Il ne t'arrivera rien tant que tu continueras à mettre un pied devant l'autre. N'oublie jamais ce que je t'ai dit, ma chérie. Le Seigneur des Mers est trop puissant, tu ne peux pas le battre. Je la laisserai pas tomber. Si on fait ce qu'il nous dit, il libérera les otages. J'en suis pas si sûr. Timor, tu es jeune. Quand tu auras mon âge, tu raisonneras d'une autre manière. Ce sont nos hommes qui actionnent leurs machines. Nous tuer n'aurait aucun intérêt. Malheureusement, c'est lui qui nous donne à boire. Si quelques-uns d'entre nous doivent être sacrifiés pour que les autres puissent rester en vie, ce n'est pas un vain sacrifice. La pêche est bonne ? Où tu les as trouvés ? Il n'y a pas que des inconvénients à nettoyer les huîtres. Ça devait être sympa à cette époque. Tu es sûr de vouloir faire ça? J'ai fait la promesse de veiller sur Willow. Je ne te demanderai pas de venir avec moi. C'est pas la peine, puisque je t'accompagne. C'est pas une bonne idée. Tu veux ces perles, Timor?
Alors, je t'accompagne. Une pierre de soleil. Je n'en ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Qui te l'a donnée, ma chérie? Est-ce que c'est ton père? Ne t'inquiète pas, je ne dirai à personne. Il t'a appris à l'utiliser? Il m'a appris à naviguer en utilisant la position du soleil. Mais est-ce qu'il t'a montré comment parler aux requins? Il les apprivoisait. La plupart d'entre nous a survécu à la grande submersion grâce à lui. Il est mort quand j'étais enfant. C'est tout ce qu'il me reste. S'il te l'a donné, c'est qu'il avait une raison de le faire. Tu vas nous sortir de là. Et ta tête. Oh. Salut, ma jolie. Hey, une minute. Y a quoi là-dedans? Ça me regarde. On ne veut ni armes ni contrebande ici. Sans blague. Et ça? Ça, c'est juste au cas où. Le sac, c'est pareil. Donne-moi ça. Tu t'en tireras pas comme ça. Génial. Et on fait quoi maintenant? Je garde une part pour le dérangement. T'as vu qui c'était? Attendez! Vous êtes Anne Aldrin? Qui la demande? On a une proposition. On a besoin de vous. Vous êtes notre seul. Revenez me voir avec d'autres sacs et peut-être qu'on pourra discuter. D'ici là, bonne journée. Avec ça. Elle reste alors? C'est tout pour aujourd'hui. Ce sera tout quand je te dirai de rentrer chez toi. Ça fait 10 fois que je tente le coup. Tous ces gars sont déjà à sec. Ils finiront bien par comprendre qu'ils peuvent pas gagner contre moi. Eh ben, tâche de retarder ce moment. Hmm? Je serais plus motivée si je gagnais le double. Toi, tu te contentes de récupérer le fric. Et c'est moi qui mouille. Je peux me débrouiller seule, figure-toi. T'es pas vraiment indispensable à mon enrichissement. Je serais toi, j'y réfléchirais parce que j'ai du très lourd. Il y a un chalutier amarré au port et il est plein de matos. Je m'en occupe. Et toi, tu t'occupes de la petite monnaie. Plus maintenant. T'as qu'à gagner ton propre argent de poche. Je démissionne. Comme d'hab. Vous êtes très doué pour une amatrice. Et qu'est-ce que tu veux que tu me mets au défi?
Non. Je voudrais t'offrir un vrai job. Une chance de faire quelque chose d'utile au lieu de gâcher ton talent dans ce genre de rade. Te fous pas de moi, tu veux? C'est pas du tout le cas. Cette chance ne se représentera plus jamais. C'est ce qu'ils me disent tous. Écoute, si j'avais ton talent, je serais sûrement pas accoudé là à boire. Tu veux passer le reste de ta vie la tête dans une barrique? C'est ta tête que je vais plonger dans une barrique. Le prends pas mal. Mais tu vaux mieux que ça. Je t'écoute. La forteresse d'Oaksville. On va la faire tomber. Alors, t'en dis quoi? Que tu vas me payer un verre? Oh, allez, ne fais pas ce coup-là. Ça va fonctionner? Ou c'est juste un jouet? Ça dépend que de moi. Ça va, les chevilles? T'inquiète, ça va marcher. Stop. À gauche. Je sais comment vous faites. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un truc. Ah, vraiment? Vous vous êtes inspiré des dauphins, c'est pas bête. Moi, je croyais que les sonars fonctionnaient uniquement sous l'eau, mais... Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il en existe de si minuscules. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une offre à vous faire. Je bosse plus. C'est pas l'argent qui vous motive. Je vous ai vu donner vos gains. C'est de renverser le système dont je vous parle. Je vous veux avec moi. Bon, je te donne 5 minutes. Donc, vous voulez qu'on vous aide à vous introduire dans la forteresse pour sauver votre peuple? Exactement. Edgar va nous aider à cartographier la forteresse. Grâce à lui, on aura un aperçu des lieux. On localisera les otages et on saura de quoi se méfier. Toby passera le premier, il cherchera le point faible de leur système, et c'est lui qui nous fera entrer dans la forteresse, grâce à sa cervelle. Et moi, je fais quoi? Tu seras notre plongeuse. Ton job, c'est faire diversion et éloigner les squales. Dès qu'ils te suivront, tu devras descendre le plus possible. Comme ça, ils seront plus longs à revenir à la maison. Tu seras en sécurité une fois dans les profondeurs. On s'est rendu compte de ça alors qu'on se faisait pourchasser. Au-delà d'une certaine profondeur, ils sont forcés de faire demi-tour. Bon, d'accord, mais... Nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Ah oui, tiens. Bien sûr, je ne doute pas que ce genre de matériel soit facile à échanger dans certains atolls, mais... à mon avis, la récompense... est inférieure au risque. Le Seigneur des Mers oblige les tribus alentour à lui payer un impôt depuis la première submersion. Les coffres sont pleins de fric, de carburant, et il a même sa propre machine à désaliniser. Imaginez ne plus connaître la soif. Pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Et avec ça, on deviendra puissant. J'ai une dernière question. Est-ce que je pourrais tout faire péter après? Ça va, faites pas cette tête. Je sais que ça peut paraître choquant parce que pour vous, je suis censé réparer des trucs, pas les faire exploser. Mais... démolir. Pouf, c'est ma seconde nature. Ouais, c'est mon sacerdoque. Dos. Ah, il a un problème? On dit sacerdoce. Enfin bref. Alors dites-moi... Oui, Toby, amuse-toi. Tu peux faire boum-boum. Si jamais les circonstances sont favorables, éclate-toi. Je marche. Oui, moi aussi. Tout ça dépasse largement le cadre du raisonnable. Ça me plaît. Excellent. Qui a un bateau ?
À ce que je vois, vous ne vous êtes pas fait botter le cul. C'est encourageant. Merci pour votre aide. Ce fut un plaisir. On vous veut sur la mission. Il me semble avoir déjà répondu. C'est hors de question. Écoutez ce qu'on a à dire. C'est pas la peine. Il me suffit de vous regarder pour savoir que c'est non. Vous ne savez rien de nous. Ah oui? Tu dois être pêcheur. Tu viens d'un petit village sans grande importance, mais je pencherai pour Korotoa. On t'a fait du tort, et tu te crois capable de reprendre ce qu'on t'a volé. C'est un grand classique. Mais les grandes idées du petit peuple, ça finit en boucherie à tous les coups. Et j'ai pas l'intention d'y rester aujourd'hui. Donc je vous suggère de rentrer chez vous tant qu'il n'est pas trop tard. Et si vous avez besoin qu'on vous sauve, je le ferai gratuitement. Hé, les marins, c'est pas ce qui manque ici. Je vous demande pardon. La forteresse, celle qui est tellement bourrée de requins que même Poséidon s'en approcherait pas. Votre mission, vous pouvez vous la mettre, je pense. Ouais, ça roule. Moi, je veux bien vous emmener à la forteresse. Et je vous déposerai juste devant l'entrée. Je suis sûr que le Seigneur des Mers vous aidera à retrouver vos amis. Et vous filera à bouffer à ces requins. Attendez, je suis pas sûr de comprendre. Vous me demandez de vous prendre sur mon chalutier et d'aller cambrioler la forteresse? J'ai déjà commencé à finir. Vous êtes foutus. Non. Sans façon. On a un bateau. Comment vous l'avez eu? Ah. On sait être convaincant. Dites-moi qui est le capitaine, je vais lui expliquer notre plan. Ça sera toi. Quoi? Ce bateau est à nous. Mais... comment ça, ce bateau est à nous? Où est l'équipage? Eh ben, ils ont eu un empêchement. Ils nous ont dit de partir sans eux. Je rêve, vous l'avez volé? Eh, hey, tu sais pas qui on est? C'est ballot. Désolé. Ouais, c'est comme ça qu'on vit. C'est pas le cas pour nous. Pigé? Avant de nous faire un procès pour ce vol, pourquoi t'irais pas voir ce qu'il y a dans la cale, hein? Capitaine. D'après le journal de bord, il se rendait de toute façon à la forteresse. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une turbine qui fonctionne à l'énergie cinétique. C'est sûrement pour la machine à désaliniser l'eau de mer. Avec ça, plus besoin d'humains pour la faire fonctionner. Je vois. Ici la forteresse d'Oxville. Pouvez-vous répéter, à vous? On a votre bateau et sa cargaison. Notre indicatif vous le prouve. Vous allez relâcher tous vos esclaves. Et on vous rendra votre bateau. Ici Mason Scrim. Et à qui ai-je l'honneur? Je ne suis personne. Relâchez les prisonniers et toute cette histoire finira bien. Ou sinon, on balance tout à la flotte. Bon, écoute-moi bien, Fermine. Toi et tes amis allez rendre ce bateau ainsi que sa cargaison au Seigneur des Mers. Et ce, immédiatement, où j'enverrai une armée de requins féroces et affamés détruire Korotoa. Quoi? Korotoa. Ça me dit rien. Je répète. Rendez ce bateau et sa cargaison, ou je m'assurerai qu'il ne reste rien de Korotoa. Tu crois qu'il le fera? Vous avez 5 secondes pour vous décider. Je garde la radio. Le submersible n'a de place que pour 2. On ne peut pas prendre ton scaphandre. Et ton sonar, est-ce qu'il prend de la place? Il ne fonctionne pas sous l'eau. Je peux y remédier, mais ça va me prendre un peu de temps. Combien de temps?
Une fois que j'aurai les pièces adéquates, je dirais 2 ou 3 jours, mais ensuite il faudra que je t'apprenne à t'en servir, et ça, ça prendra un moment. C'est beaucoup trop long. D'ici là, il aura sûrement tué tous les otages. Tu penses pouvoir le faire fonctionner? J'en sais rien, il faut que j'essaye. Ici Korotoa pour Timor, répondez. J'écoute. Timor, à quoi est-ce que tu joues? Rends-leur la cargaison immédiatement. Écoute-moi, le Seigneur des Mers a clairement dit qu'il tuerait tous nos otages, à moins que tu ne lui rendes son bateau et sa cargaison, et ce immédiatement. On l'a rendue, la cargaison. Ce n'est pas ce qu'ils viennent de me dire. Fais. Ils sont morts. Et vous aussi. Votre attention, voici un message du Seigneur des Mers. J'ai nommé Yann Finn. Peuple de Korotoa, vous avez choisi de me défier. Maintenant, vous allez payer le prix de vos actes. L'océan tout entier est mon territoire. Je dispose d'assez de contrôle sur les éléments pour vous anéantir jusqu'au dernier. Lui.
un problème? Règle ça tout de suite. Aucun problème dans les branchements. Il y a quelque chose qui doit gêner les requins. Ah, eh bien, ramenez-le. Plus vite. La jeune. Donnez ceci avant de mourir. Et maintenant, c'est à toi de l'avoir. Prends-en soin, et il veillera sur toi et sur notre peuple. Il te suffira de penser à moi et je serai là. Qu'est-ce qui cloche à la fin? Ça devrait fonctionner pourtant. C'est elle. Amenez-la moi. Ouais, c'est toi. Tu fais quelque chose, ami requin, n'est-ce pas? Attachez-la. Non! Willow! T'es mort! Willow! T'es mort! Écoute-moi. Tu vas nous rendre tout ce que tu nous as pris. Sinon, je commencerai par elle. D'accord. Dans une heure, tu rejoindras Scream à Nauru. Et pas de blague, cette fois où je les tue tous. J'espère pour eux que la cargaison est intacte. Je veux que vous m'apportiez tout ce que vous avez volé. Faites-le tout de suite. Hawksbill, la cargaison vous attendra à nous dans une demi-heure. Il ne manquera rien. Vous êtes sûr que tout y est? Très bien. Alors maintenant... C'est chacun pour soi. Au revoir. Sion, on s'en va. On veut toujours vous aider. À faire quoi? Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. J'ai capitulé. Sion et moi, on rentre à la maison. Aujourd'hui. Faites la même chose. Hors de question. J'ai tout entendu à la radio. Raison de plus. Vous savez comme moi qu'on a déjà perdu. J'aurais été du même avis il y a une heure. Mais plus maintenant. Je vois. Vous voulez votre petite croisière autour de la forteresse. Allez-y, mais sans moi. Écoute. Une fois qu'ils auront leur machine, les otages seront une charge inutile. Ils serviront de pâté pour les requins. Finn sera capable de produire de l'eau sans l'aide d'aucun humain. À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est notre dernière occasion de sauver votre peuple. D'accord, et ensuite? Si on réussit... Il se passe quoi? On va se battre! Tous ensemble! Nous avons commis l'erreur de laisser Finn prendre les pleins pouvoirs. Nous étions tous parfaitement conscients de la menace, mais nous l'avons regardé sans réagir. Il n'aurait jamais pu en arriver là si on n'était pas resté les mains dans les poches. Cette fois, on va agir. D'accord? Ou vous préférez rester là? Écoute-la. Elle a raison. D'accord. Mais si on fait ça, je ne veux plus de coups fourrés. On est une équipe. On travaille ensemble, ou pas du tout.
et aucune explosion en aucune circonstance. Et surtout pas sans mon ordre. Pas d'initiative. Et on ne vole pas. Est-ce que c'est clair? On se trouve à 24 000 nautiques au sud-ouest de la forteresse. J'ai envoyé un signal à 4 mètres de profondeur. Et j'ai l'impression qu'on est suivi à la trace par... une espèce très rare de selacantiforme. Quoi qu'on trouve dans les réserves de la forteresse, on partage. Et équitablement, si ça vous dérange pas. Oui, le patron demande à la voir. Et pas demain. Si tu refuses de parler, ça n'aidera pas beaucoup ton peuple. Je t'ai trouvé à Korotoa, mais ce n'est pas ton clan d'origine, n'est-ce pas? Lorsque la Terre a été submergée il y a 20 ans, les survivants se sont regroupés dans les zones montagneuses pour essayer de grimper le plus haut possible et rester à la surface. Mais elles étaient déjà occupées et leurs chefs nous ont repoussés. Les batailles étaient sanglantes. Ce qui a attiré les requins. Je me suis retrouvé pris au piège avec un groupe de plusieurs milliers de personnes. On a bien essayé de s'accrocher à un petit morceau de terre qui restait émergé, mais ses occupants nous ont tous jetés à la mer. Et les requins n'attendaient que ça. Ça a été un massacre. Un vrai massacre. Et puis, un homme a fait quelque chose d'incroyable. Cet homme... s'est avancé. Et a utilisé je ne sais quel pouvoir, comme une source d'énergie. Il a réussi à faire fuir les requins. Quelques-uns d'entre nous, un petit groupe, n'avaient pas péri. J'aurais préféré mourir dans l'attaque parce que quand la mer s'est calmée, j'ai levé la tête. Et il n'y avait que de l'eau. Je ne l'oublierai jamais. C'est cet homme qui m'a inspiré pour fabriquer mon système... pour contrôler les requins. Un système que je croyais unique au monde. Jusqu'à ce jour. Comment fais-tu? Je veux que tu m'apprennes. Je n'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Juste un souvenir. Non! Si tu acceptes de me dire comment tu les contrôles, le monde sera à nous. Dis-moi comment tu fais, ou j'enverrai mon armée de requins attaquer Korotoa et il ne restera plus aucun être humain à sauver. Scream, après avoir récupéré la turbine, je veux que tu fasses route vers Korotoa. Ne leur faites pas de mal. Tu as le choix. Non. C'est à toi de voir. Je ne peux pas faire ça. Tout ce que tu as à faire, c'est me donner ce que je te demande. Il n'en est pas question. Mon assistant me fait part d'une excellente idée. Si je n'obtiens rien de toi, ça ne fait rien.
Parce qu'il existe d'autres moyens. Je voudrais te présenter mon animal préféré. Le requin-tigre. Il a un appétit d'ogre. On a retrouvé des plaques d'immatriculation et une armure entière dans son estomac. Alors il devrait apprécier ce cadeau. Et tu sais ce qu'on m'a dit ? Qu'il était affamé. Maintenant, j'aimerais savoir si elle les contrôle à distance. Ramenez-la-moi. Dépêchez-vous. Chef, je suis en position. Attends mon signal. Amenez-la. Bien reçu. Attendons votre signal. Si tu veux que j'épargne ton peuple, il va falloir que tu fasses un effort. Réfléchis bien. Monsieur, je crois que je sais comment la faire parler. Je t'écoute. Eh ben, si elle refuse de nous dire comment elle contrôle tous vos requins, son cerveau, lui, le fera. Il faudrait que je puisse enregistrer ses ondes cérébrales pendant qu'elle les dirige. Et en étudiant le résultat, on comprendra sa méthode. Très bien, tu as carte blanche. D'accord, mais ça risque de prendre un petit moment. En théorie, c'est très simple, mais j'ai besoin d'une minute. Fais au plus vite. Et... cette chose ne nous sert à rien sans son pouvoir. Arrange-toi pour savoir comment elle fait, mais aussi pour découvrir ce qu'elle peut faire. C'est clairement un pouvoir défensif, mais qui sait si elle peut attaquer? Cette fois, le destin de ton peuple se trouve... entre tes mains. Je suis pas venu ici pour collecter votre impôt. Je suis là sur ordre du Seigneur des Mers en personne. Quand il m'en donnera l'ordre, je donnerai le signal à notre armée de requins pour qu'ils détruisent votre ville. Vous savez comme moi que toute résistance sera vaine. Je sais que vous trouverez cela injuste et cruel, mais... le grand Yann Finn vous a déjà suffisamment averti. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, je vais lui obéir. Préparez-vous à mourir. Dans un petit instant, si vous permettez, parce que j'attends son feu vert, là. Merci. Hop là. Voilà le travail. Willow, j'ai une mission pour toi. Je voudrais que tu prennes le contrôle de mes requins. Et que tu leur demandes d'attaquer une cible. Voici la cible. C'est ta seule chance de sauver les tiens. Alors fais-le. Pitié, ne m'obligez pas à faire ça. Obéis. Scream, à mon signal, je veux que tu commettes un massacre. Sauve ton peuple ! Deux.
et 1. Navire ennemi en approche. Scream, on arrête tout. Revenez immédiatement. Allez, tout le monde sur le pont, on rentre au bercail. Monsieur, j'y étais presque, laissez-moi encore une seconde. Juste une seconde et je serai en mesure de vous dire comment elle s'y prend. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on doit repousser ce navire. On fait quoi des prisonniers? Mettez-les dans leur cellule et apportez-moi son talisman. Est-ce que ton sonar peut fonctionner à cette distance? Non, on est trop loin. Si on approche, on sera à portée de leur catapulte. Vous avez des catapultes? Des catapultes? Oui, c'est une machine de guerre médiévale qui lance des projectiles sur les ennemis. Je sais ce que c'est, merci! Vous êtes déjà venus ici, non? Avec les submersibles. Et ils ont au moins une catapulte. Il leur faut une minute pour recharger. Ils ne disposent pas d'un gros stock de munitions, mais si on s'en prend une seule, on coulera à pic, alors mieux vaut rester à distance. De faire quelque chose, fais-le maintenant. Il m'a pris mon amulette. Je ne peux rien faire sans elle, c'est elle qui me donne ce pouvoir. Oui, et ben essaie quand même. Si on te l'a donné, c'est pour une bonne raison. Je ne prétends pas savoir comment ça fonctionne, mais tu n'en as pas besoin autant que tu le crois. Tu dois trouver une autre façon de te connecter à eux, tu peux le faire. Il te suffit d'essayer. Armer la catapulte. Ce serait de la folie de se rapprocher. Oui, mais le signal est beaucoup trop faible. Tu vois rien? Non, on est trop loin. Vous dites qu'il leur faut une minute pour recharger. On attend le premier tir, et pendant qu'ils rechargent, on se rapproche. Sinon, on réussira jamais à cartographier la forteresse. Visez le surfeur. Il nous reste 30 secondes avant de devoir bouger de là. On est encore trop loin. Je fais ce que je peux, mais active-toi. C'est pas une science exacte. Attends, comment ça, c'est pas une science exacte? Maîtrise-toi, s'il te plaît. Ouais, ben toi, maîtrise ta machine d'abord. Du silence, c'est trop te demander. Coulez-moi ce bateau! Ça va derrière? Non, j'ai toujours aucun signal. Va
Non. Juste une seconde. Ça suffit, on bouge. Je l'ai. Hein? C'est pas trop tôt. Quoi? On dégage. Hein? Allez. Il faut surtout pas qu'on laisse tomber. J'ai enfin une carte. Si vous voulez mon avis, ça ressemble à des cellules de prisonniers. Comment on entre? La seule porte que je vois, c'est celle des requins. Il n'y a aucune autre entrée discrète. On n'a pas le choix, alors. C'est ça ou prendre la grande porte, alors? Non. Dans ce cas, je vais y aller. Toi ? Toby est mort. Je dois sauver Willow. Ils sont trop loin. Rangez la catapulte. Vous croyez pouvoir m'échapper ? Ne rêvez pas, j'ai une autre surprise pour vous. J'ai une mission pour vous. Il est temps de préparer... le requin kamikaze. Oui, monsieur. Ça résistera pas longtemps. Faudra pas traîner. C'est du suicide. T'as une meilleure idée? On est d'accord. On y était presque. Je baisserai pas les bras avant d'être entré là-dedans. Et ensuite, tu feras quoi? Je commanderai un thé. Je les neutralise pour de bon. Et je vais tout péter. Pour Toby. Je vais le venger. Je viens avec toi. Et comment tu reviendras? Ça, c'est mon problème. Thank you.
Timor. Tu peux le faire, concentre-toi. Quelque chose approche dans notre direction. Du genre ? On n'est pas censé détecter les requins avec ce truc, mais c'en est sûrement un, apparemment. En tout cas, ça y ressemble. Mais il est différent. Il fonce clairement vers nous. Tiens. Si on prend les commandes ! Les toucher. Utilise son pouvoir. Respire. Regarde, Hercule. Apporte-moi ça.
dégage énormément d'ondes, c'est dingue. Oh, c'est fabuleux. Oh, c'est magnifique. Je dois rester le seul à leur parler. Je suis leur chef. Willow. Simon, fais attention! Excusez-moi d'interrompre ces charmantes retrouvailles, mais ça vous ennuierait de nous sortir de là? Hein? Il faut qu'on évacue les prisonniers. J'ai vidé le ballast, la forteresse va couler. D'accord, prenons leur bateau. Ces idiots m'en doivent, hein? Les prisonniers sont par là. On y va! Suivez-moi! Willow! Aide-moi! Bouge pas! C'est toi qui fais ça? J'en sais rien. Je crois que plus personne ne les contrôle. Timor, n'oublie pas la machine à désaliniser. Faut qu'on emporte les composants avec nous, ça pourrait servir.
Je m'occupe du bateau. Mais ne traînez pas. D'accord. En route ! Tu peux l'arrêter? Non, ils sont trop nombreux. Va falloir que tu essaies. Je peux pas, j'aurai aucun contrôle sur eux si je n'ai pas mon talisman. Non, c'est faux. Je sais même pas comment ni pourquoi je fais ça, c'est impossible. Le pouvoir est ancré dans ton cœur. L'amulette n'est là que pour t'aider à le trouver. Elle n'en est pas la source. Tu as le pouvoir de parler aux requins. Alors crois en toi, bon sang. Tu as décidé d'attaquer la forteresse, nous avons songé à te bannir. Mais nous ne serions plus de ce monde si tu n'avais pas fait preuve d'un grand courage. Merci. Merci à vous tous. Je m'en remets aux forces de l'océan.
Ceci revient à la maîtresse des requins. Ton père serait très fier de toi, Willow. Merci. Ton véritable entraînement peut maintenant commencer. Tu vas entrer dans la légende, comme ton père. Tu es prête? Oui. Alors, commençons. Il va falloir pas mal t'entraîner si tu veux avoir une petite chance de la séduire. Merci de me soutenir. C'est juste une observation. Et puis, t'es qu'un pêcheur. Tu te souviens peut-être de la légende du pauvre pêcheur qui a triomphé du Seigneur des Mers? Ça te dit quelque chose? Je suis sûre que c'est que des bobards. Il n'était pas tout seul. Il avait des amis. Des héros.